Quelles sont les situations qui demandent un accompagnement, un coaching? J'en vois au moins cinq. La première est que vous êtes dans une trajectoire de succès. Tout ce que vous entreprenez vous réussit. Dans ce cas, vous avez besoin d'un coach pour aller plus loin et plus vite. Il s'agit d'un coaching de performance. Deuxièmement, vous vous lancez dans un nouveau projet et vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour qu'il aboutisse. C'est le rôle du coach, de vous y aider. Troisièmement, vous êtes en difficulté et vous faites l'impasse sur cette difficulté. Ou peut-être minimisez-vous l'importance de la situation. Le coach vous apprendra à prendre conscience des conséquences. Quatrièmement, vous êtes en difficulté et vous en êtes conscient. Cela vous déprime et vous rend anxieux. Le rôle du coach ici est de trouver les ressources nécessaires pour faire face à la situation. Enfin, vous êtes peut-être engagé dans un projet qui n'est pas le bon. Vous faites fausse route. Votre coach aura pour rôle de redéfinir votre objectif. Voici quelques principes généraux concernant votre coaching. D'abord, le coach sera un soutien inconditionnel. Il est votre allié. Il l'est dès la première minute, comme vous le seriez pour un ami, afin d'augmenter vos standards de qualité. Il sera à votre écoute, une écoute empathique, aucune critique et aucun jugement. Soyez prêt à relever les défis, la barre sera placée haut. Votre coach vous apportera ce dont vous avez réellement besoin. Vous travaillerez sur votre intégrité et vos besoins. Enfin, vous devrez réaliser des changements importants et mener à bien des actions concrètes. D'une façon générale, votre coach est un partenaire de réussite. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.